Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et haul. Il s'avère que là j'ai reçu pas mal de colis et j'avais tellement envie de les ouvrir avec vous dans cette vidéo pendant ces vacances. Profitons un petit peu d'être ensemble comme ça pendant ces petits moments. Et alors dans ces colis il y a du concours, oui, il y a des choses là, des pépites que je vais vous faire gagner et je suis trop heureuse de vous partager ça, de vous faire gagner plein de petites choses, que ce soit ici ou sur Instagram. Vous êtes nombreuses à me rejoindre sur Instagram et vous êtes nombreuses à participer à mes concours cachés entre guillemets dans mes vidéos avec des petits mots de passe. Et aujourd'hui il y aura un nouveau mot de passe. Je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour découvrir le contenu de mes colis. Et il y a du lourd et je crois que c'est la première fois que je vous fais gagner des choses comme ça. En tout cas, il y a une marque, ouais, je suis trop contente de vous faire gagner. Bref, trêve de blabla, on commence tout de suite. J'ai reçu de ma copine Uriel, qui a un Instagram, je vous mettrai ici. Elle s'est lancée depuis quelques temps dans une marque de parfum qui s'appelle Shogun. Alors, je ne connaissais pas avant qu'elle en parle, hein, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Mais cette marque-là, donc Shogun, hein, ça se présente comme ceci, propose des parfums qui ont exactement la même odeur que grande marque, puisque selon elle, ce sont vraiment le même produit à l'intérieur, l'autre parfum à l'intérieur, c'est juste que vous n'avez pas la même boîte et pas le même packaging, etc. Vous payez pas tout ce qui est publicité. Et le 100 ml est à 30€, et je crois que à 15€ quelque chose, vous avez le 50 ml, je pense, hein, un truc comme ça. Donc elle m'a envoyé un parfum, je lui ai demandé d'avoir le Si de chez Armani. Donc elle m'a envoyé sa petite liste, donc si vous êtes intéressé par ce genre de parfum là, n'hésitez pas à aller la contacter sur Instagram. Donc elle m'a envoyé sa petite liste et j'ai choisi le Si de Armani parce que je connaissais l'échantillon. Et du coup je me suis dit bah autant avoir le parfum entre guillemets le même, même si c'est pas la marque hein, tout simplement. Et je me suis dit bah voilà pourquoi pas, au moins c'est le genre de parfum que j'ai pas forcément chez moi, donc c'était trop cool. Je l'ai reçu il y a 2 jours, je l'ai testé et j'ai testé aussi auprès de mon mari et de ma copine Mel de la chaîne Happy Together 17. Et on a été tous les trois d'accord que ça ne ressemble pas du tout au Si de Armani. Ça nous fait penser à un parfum connu mais pas celui-ci. Alors après avec Uriel on a mené notre enquête parce qu'elle me dit que elle le sien c'est le même, qu'il n'y a pas de différence entre les deux et tout. Donc c'est vrai que chez Armani le problème c'est qu'il y a plein de Si différents. Donc je suis partie chez Sephora demander des échantillons des différents Si. C'est vrai que le parfum Shogun ressemble on va dire de loin au Si version intense. Donc voilà, elle ne pouvait pas me dire lequel était censé être le bon hein, mais le Si en fait a vraiment ce côté sucré. Et le Shogun, il n'a pas du tout ce côté sucré que moi je recherchais en fait. Sinon la bouteille est très sympa, c'est vrai que ça reste un parfum à offrir qui est très beau comme ça, hein, c'est un vrai beau packaging. Elle m'a dit qu'il y a plein d'autres références qu'elle connaît et ça ressemble exactement, donc peut-être que moi je suis tombée sur un défaillant ou je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'aime pas du tout l'odeur de celui-ci, pour moi ça passe pas. Alors je vais refaire des tests parce que vraiment ça m'intrigue cette histoire. Je vais refaire des tests et essayer sur une écharpe par exemple. Et tester aussi le Si sur une écharpe pour voir si au final ça revient à le même style d'odeur. Parce que c'est vrai que celui-ci est plus fort alors que le Si a cette note sucrée qui est plus douce. Donc si vous connaissez n'hésitez pas à me dire. En tout cas si ça vous intéresse ça peut être bien pour vous hein, si vous voulez acheter des trucs à plus petit prix. Et elle m'a envoyé un gel douce pour homme. Pareil c'est censé être l'odeur de Yves Saint Laurent du La Nuit de l'Homme si je me trompe pas. Et là on a vérifié effectivement c'est la même odeur. Donc vous voyez le gel douche est exactement la même odeur. Donc pareil à tout petit prix. Et là ça sent vraiment vraiment la même odeur que La Nuit de l'Homme. Donc je sais pas si le mien, le Shogun là, version 6, c'était un défaillant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, donc je l'offrirai, je suis sûre que, parce que c'est une bonne odeur quand même. C'est juste que ça me correspond pas. Mais ça plaira à ma maman ou à ma belle-maman. Donc ça fera plaisir. Et elle m'a envoyé aussi dans le colis une petite crème pour le corps à l'aloe vera de chez Shogun. Donc ça je te resterai sans problème. Ma petite Uriel a voulu me faire tester, c'est trop adorable de sa part. Du coup bah j'étais un peu voilà, comme je vous dis je suis toujours honnête, donc je lui ai dit ce que je pensais. J'étais un peu gênée quand même parce qu'elle m'a envoyé ça gratuitement, elle voulait me faire plaisir et en même temps me faire découvrir son concept. Et sur ce coup là ça n'a pas marché, donc encore une fois Uriel je suis désolée. Mais j'espère que quand même vous irez vous renseigner vous si vous êtes intéressé par quelque chose. Et elle logiquement elle a les échantillons mais c'est juste que je pouvais pas la voir pour qu'elle me fasse sentir et être sûre du parfum. Sinon j'ai la Birchbox. Enfin la Blissime pardon. Ouh elle est jolie donc. Elle est sympa le packaging. Je n'ai même pas été spoilée. Donc je suis contente de la recevoir tôt là dans le mois. C'est trop trop cool. Elle est très jolie. Et alors qu'est-ce qu'on a dedans? Oh je vois qu'on a un produit. Un mini produit de chez Herborian comme ça. Qui a l'air d'être un nouveau produit. Le CC Water à la Sandela.
Centella, pardon, un gel teint frais, perfecteur de peau en teinte claire, donc ça me correspond bien. Ces produits-là, logiquement, il y a de l'aluminium à l'intérieur, donc ça fait très très longtemps que je l'utilise pas parce que la compo est pas terrible. Mais je verrai si je l'utilise ou pas, sinon je vous la glisserai dans un concours, hein. Ne vous inquiétez pas, il y en a plein qui arrivent. Oh, c'est trop mignon, c'est une petite bouteille de lait comme ça, regardez. Alors, Glow Milk, The Beauty Crop, un illuminateur pour le visage en mode milk, coconut et argan oil. C'est intriguant. J'ai pas envie d'abîmer tout le package. C'est un tout petit format comme ceci, mais honnêtement, ça donne envie. Ça a l'air pas mal au niveau de la... Ouh, c'est un petit peu pâteux, mais à travailler avec le blender, ça peut être très beau. Ouh là 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 là, regardez ça. Ouh là 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 là, ça a l'air prometteur. Vraiment, ça me donne envie. Ça me donne envie, même le package et tout, vraiment tout me donne envie là. Troisième produit dans la Blissim, c'est la crème de nuit réconfortante de la marque Imparfaite. Ça, je testerai pas. Donc ça a l'air pas mal, hein, mais je ne testerai pas. Crème de nuit réconfortante à base de beurre de karité et de jus d'aloe vera. Moi j'aime bien, ma routine soin du visage ne change pas comme ça. Trop bien, on a un produit Rituals et ça j'adore, c'est une crème pour le corps relax. The Ritual of Jing, voilà, la fille qui a du mal vraiment. Je connais pas trop cette odeur, tiens. Direction le spa direct, ça donne trop envie. Et en dernier produit, un traitement pour les cheveux colorés de chez Schwarzkopf, le BC Bonacure. Alors je connais pas ce que c'est ça. C'est une petite crème comme ça, rosée. Et donc pour les cheveux colorés, c'est une sorte de masque, voilà, un petit masque pour les cheveux colorés. Et on a avec un petit échantillon bon parfumeur à l'intérieur, fleur de carré, jasmin, hibiscus. Numéro 103. Ça c'est cool. Bon, l'échantillon ça passe. J'aime bien cette petite Blissim du mois de. On est quel mois? Novembre? Ouais, grave, on est au mois de novembre déjà. Je crois que c'est celle du mois de novembre, ouais. Bah écoutez, je la trouve pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. J'ai reçu une autre box. Cette fois-ci, c'est une marque française, une box française. Et c'est une youtubeuse qui s'appelle Caroline R. qui a lancé il y a quelques mois sa box. Avec des produits assez made in France, etc. J'avais vu passer un petit peu sur les réseaux. Et elle a proposé de m'en envoyer une. Ça s'appelle la box Le Boudoir. Donc ça fait quand même... C'est celle du mois d'octobre. Hein. Je suis désolée, je suis longue. Ça fait déjà 2 semaines que je l'ai. Mais j'avais déjà tourné des unboxings et des hauls. Et du coup, bah, elle attendait. Elle attendait le prochain unboxing. Donc j'ai rien ouvert. Donc vraiment, je ne me suis pas spoilée. Mais en tout cas, la présentation est très jolie. Donc on a un petit menu comme ça. Et derrière, on a les produits. Donc la box d'octobre, c'est super bien fait. En tout cas, c'est très beau. Oh, c'est très beau. Et il y a une petite représentation de Caroline ici. Vous le voyez. C'est très joli. Alors je sais pas du tout. Je crois que c'est un peu une box lifestyle. Vous n'avez pas que des produits de beauté. Donc ça me donnait envie de découvrir. Alors... Ah ouais, c'est ça, il y a des trucs aussi, des cochonneries, hein. Chocolat au lait, Maison Grams, The French Popcorn, donc des popcorn français, package au top, sans OGM, sans huile de palme, sans conservateur, sans addictif ni colorant. C'est de la garantie d'un plaisir unique. Produit en France, même le maïs est produit en France, et c'est cool. Donc j'imagine que il y a la consigne à l'intérieur, est-ce que ça se met au micro-ondes, tout ça, je ne sais pas. Mais c'est en tout cas des popcorn caramel, beurre salé, chocolat au lait. Alors là, ça a l'air dingue. Je me dis qu'avec une petite soirée au cinéma, là. Ouais, ça promet du lourd, ça. Ensuite, on a un produit comme ça. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Irisé Paris. Est-ce que c'est ça, Irisé Paris? La Mood Box. Palette vide de maquillage et l'outil pour modeler à l'infini. Ça m'intrigue, ce truc-là. Donc, c'est une palette vide. Ça se présente comme ça. Ah ouais, d'accord. Et donc, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais vous pouvez mettre du coup vos fards à l'intérieur et vous avez le petit bâtonnet pour pouvoir enlever les fards et les modeler à votre façon. C'est pas mal, en tout cas c'est une belle palette de qualité. Dommage, il n'y a pas de fards, je sais pas s'il y en a dedans. Mais en tout cas, si j'ai des fards mono, bah, je pourrais les mettre dedans en tout cas. Ah, alors attendez, là je crois qu'il y a un petit fard qui va avec, ouais, un petit fard à paupières comme ça, cacao épicé. Et du coup, ça se présente dans un petit boîtier. Ah ouais, c'est bien présenté. Voilà, un petit fard, un exemple de petit fard. Après, le truc, c'est que quand on a un fard comme ça, bah, si on veut la collection complète pour en avoir 6, il faut donc aller acheter sur le site. Mais ça fait découvrir une marque, donc la marque Irisé Paris. Le fard, il a l'air super bien pigmenté. Allez, on teste. Ah, c'est très doux. Alors là, c'est pas si bien pigmenté ça, mais
C'est doux, c'est tout doux, c'est une sorte de cacao très très doux. Je m'attendais à une couleur plus intense, mais c'est très bien quand même. Bah écoutez, ça je testerai. Puis sinon, moi je mettrai d'autres fards dedans, hein, pas de problème. On a un petit carnet de notes, je pense. Julie de Tersac. Donc avec un petit dessin comme ça, il est très très beau. Donc vraiment un tout petit carnet de notes avec des petites, ou un carnet de dessin, c'est vous qui voyez, des petites pages blanches. C'est très joli, c'est un petit carnet pour même glisser dans le sac à main, pour mettre quelques notes quand on a des choses à faire, des to-do list infinies, pourquoi pas. On a un petit bijou de la marque Poudre Bijoux. D'ailleurs, il y a moins 10% avec le code bijou10 sur le site. Et ça se présente dans un tout petit pochon comme ça, mais je ne sais pas du tout ce que c'est comme bijou. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Oh, trop bien! Elle est trop belle! Donc, le petit pochon est là et c'est une petite bague comme ça. J'adore! Regardez ça! Ah, j'aime beaucoup la bague! Elle est très, 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 très belle! J'en ai reçu une il n'y a pas très longtemps dans le même style de chez Woo We Are. Et là, j'aime bien! Je l'aime bien! Vraiment, je la trouve trop jolie! Alors, il va falloir que je la mette à ma taille parce qu'elle est extensible, donc ça, c'est cool! Et elle est très, très belle! Bon choix de bijoux, j'aime beaucoup! Et pour finir, on a un produit qui c'est Lightstone, une huile lèvres protège et sublime comme ça. Ah, ça j'aime bien. Les huiles pour les lèvres, j'adore. Oh, la texture. Oh, il y a des trucs bizarres dedans. Il y a des trucs bizarres. Qu'est-ce que c'est? Actif végétaux, brillance, hydratation, protège et anti-stress. Transparent, confort, non collante, protège, hydrate, repulpe. Donc il y a l'air d'avoir des huiles essentielles. Il y a, on dirait un petit peu de côté lumineux. Je sais pas si vous verrez. Est-ce que vous voyez, il y a un petit côté lumineux et il y a des espèces de petits, petits végétaux à l'intérieur là. C'est vrai que c'est bizarre, mais pourquoi pas? Ça anti-stress, même en le regardant, c'est anti-stress. On va voir l'odeur. Non, ça sent rien, c'est vrai que ça a l'air pas mal du tout. Ça je connais pas, donc ça sera une découverte. C'est le genre de produit que j'aime utiliser, donc c'est très très bien. Et voilà pour la box Le Boudoir. Honnêtement, je la trouve très sympa. Elle est au prix, si je me trompe pas, de 39,90€. Je la trouve un petit peu chère à mon goût par rapport à ce qu'on a, même si on a des très beaux produits. On a quand même des full size. Et en plus, on a une petite gourmandise à tester. Donc, pour du Made in France, avec des choses soignées, je trouve que ça vaut le prix quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et là, on arrive dans les packages qui font plaisir. Et là, il y a du concours. J'ai reçu un deuxième colis Beauty Bay. En fait, je vous ai montré sur Instagram, j'avais reçu le même style de colis. Genre, deux jours après, je reçois le même colis. Je me dis, bah tiens, c'est bizarre, j'ai rien commandé. Et puis la marque ne m'a pas dit qu'elle allait m'envoyer un nouveau produit. Et là, quand j'ouvre, je découvre ça. La nouvelle palette comme ça, Edge of Opulence de Beauty Bay. Et en fait, il s'avère qu'ils me l'ont déjà envoyé. Et ils me l'ont renvoyé, je ne sais pas pour quelle raison. Mais je vais pas dire non, hein. Ils m'ont renvoyé parce que j'avais demandé à avoir le nouveau rouge à lèvres. Ils m'avaient dit qu'il était en rupture de stock, donc bon, pas de souci, tout ça. Ils m'ont envoyé donc la palette, et là ils m'ont renvoyé le rouge à lèvres et la palette. Donc le rouge à lèvres, évidemment, je vais le garder, il est très beau, j'avais trop envie de le tester, ils sont magnifiques, et les autres vont aller dans mon panier très très bientôt. Et la palette orange, je l'ai déjà, du coup je vais vous la montrer quand même, mais celle-ci je vais pas la swatcher. Et je vous laisse la surprise, on se retrouve sur Instagram, mais je pense aussi donc que je vais vous donner un petit mot de passe pour savoir que vous êtes passé par ici. Donc là, c'est le Sidecar, qui est un rouge comme ça sublime. Vous le voyez bien, il est superbe. Et alors les rosés là, ils sont tellement beaux aussi sur le site. Donc cette teinte, elle me faisait tellement envie. Alors je vous avoue que je suis pas une grande fan du rouge, mais j'en mets de plus en plus. Du coup là, je suis quand même super contente. Et alors vous faire gagner la palette, c'est juste trop bien quoi. J'ai oublié la mienne évidemment en bas, hein, bien sûr. Donc j'essaierai de vous rajouter les swatchs, mais en tout cas je vous la montre quand même, celle-ci qui va être pour vous. J'ai bien la laisser emballer. Ce qui est bien sur Beauty Bay, hein, si vous n'avez jamais commandé, c'est que vous avez les plastiques à l'intérieur pour bien protéger les palettes. Elles ne bougent absolument pas. Ce n'est pas possible qu'il y ait de la casse. Enfin moi c'est jamais arrivé, hein. Donc hop, la voici. Et celle-ci c'est la vôtre, c'est pour vous. Et les crémeux sont tellement beaux, les lumineux là. Ils sont tellement tellement beaux. Donc celle-ci elle est pour vous. Vous verrez sur les swatchs si j'ai le temps de vous les faire, que c'est vraiment une pépite. Et je suis tellement contente de vous la faire gagner. Donc merci Beauty Bay. Évidemment je vous mets les liens en barre d'infos. Et on reste jusqu'au bout de la vidéo pour tenir le coup, hein, pour avoir le mot de passe. Mais dans ce deuxième colis aussi, c'est une agence de presse qui me l'a proposé de m'envoyer des produits soins de la marque La Roche-Posay et CeraVe ou CeraVe, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc j'ai dit oui, sans problème, ça me faisait plaisir. En plus, c'est des marques que je connais pas. Je reçois leur colis, paf, hop là, avec un petit mot d'Halloween. Bon bah cool, j'ouvre et là j'ai la grande surprise parce que je ne savais pas
qu'est-ce que c'était à l'intérieur. Et je m'attendais pas à ces produits-là tout de suite. Et j'ai ouvert et là je vois ça. Est-ce que vous êtes comme moi? Bah, j'étais obligée, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Et en fait, je l'ai déjà, mon mari me l'a déjà offert au mois de juin pour me féliciter d'avoir réussi l'examen pour être directrice d'école. Et là, je la reçois donc par une agence de presse, donc je suis trop contente. Parce que direct, qu'est-ce que j'ai fait? Hein, j'ai pensé à vous. Je me suis dit concours. Donc la Naked, donc la d'Urban Decay et Fida. Je vais pas y arriver. J'en suis toute chamboulée. Donc c'est la Naked Wild West de Urban Decay. Et je vous la montre quand même, même si moi je l'ai déjà, je l'adore. C'est une palette que j'adore. Je l'ai énormément utilisée cet été parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez des marronnés, des nudes et vous avez des espèces de bleu vert qui sont juste magnifiques. Donc je suis trop contente de vous la faire gagner. Et ce bleu là et ce bleu là sont tellement beaux, mélangés au marron, ça fait des make-up de dingue. Vraiment, celle-ci, c'est genre ma préférée de toutes les Naked. Donc, je suis trop contente de vous la faire gagner. C'est quand même d'une valeur à peu près de 50 euros. Hein, 52 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est un beau cadeau, je trouve, que je vous fais. Voilà, donc il y a deux belles palettes à gagner. Et dans le colis, évidemment, en dessous, il y avait donc les produits que je devais tester à la base. Donc, moi, c'est à ça que je m'attendais. Et je suis contente parce que quand je suis partie à Londres, j'ai vu énormément dans les magasins, Boots, etc. C'est cette marque-là et ça avait l'air de bien marcher là-bas. Je me suis dit, tiens, j'en ai un peu entendu parler en France, mais pas autant que ça. Donc là, j'ai un nettoyant hydratant pour les peaux normales à sèche en crème moussante. Et ça m'intrigue. Une crème moussante nettoyante. Ça peut être le produit que j'aime bien. Ça, j'aime un peu moins. C'est une eau micellaire de la marque CeraVe. Et ça, je pense pas la garder pour moi parce que c'est pas du tout le genre de produit que j'aime utiliser. Mais celui-ci, il m'intrigue énormément. La marque La Roche-Posay, on a un thermo-nettoyant, encore une fois, pour les yeux et le visage. Donc ça aussi, ça me plaît bien. Moi, tout ce qui est nettoyant, gel nettoyant, mousse nettoyante, etc. Alors, j'aime pas trop les mousses, mais là, le fait que ce soit un nettoyant moussant, ça me plaît bien. Donc je vais tester. Et on a un démaquillant yeux waterproof. Ça, j'utilise moins, sauf quand j'ai des faux cils ou du liner qui vraiment est tenace et tout. Donc ça, je vais le garder aussi, je testerai. Je le connais pas, celui-ci. C'est le Respectissime. Et on finit par Sylvana. Je vous ai fait gagner un calendrier de dingue de Sylvana sur Insta et ici. Et vous avez été nombreux à participer. La gagnante d'ailleurs a été contactée au moment où je vous parle. Et waouh, je suis trop contente. Donc là, Sylvana m'ont proposé de recevoir des produits pour le mois de novembre et le mois de décembre. Sauf qu'ils m'ont mis tout dans un package et je ne sais pas. Qu'est-ce qui va où? Lesquels sont du mois de novembre, lesquels sont du mois de décembre? Donc je vais tout vous présenter là et je pense que je ferai un vrai crash test Sylvana parce que j'ai découvert plein de produits il y a très peu au fur et à mesure là de leurs envois et je me dis il faut vraiment que je vous en parle. Déjà il y a ma marque favorite et ça vous allez aussi gagner dans le concours des produits comme ça. Ma marque favorite c'est Froudia sur le site Sylvana, ce sont des produits que j'adore. La crème pour les mains, la noix de coco, je viens de la terminer, je l'adore trop. Et le baume à lèvres, là celui-ci c'est à la mangue, je l'ai déjà terminé aussi, je l'adore. Et là celui-ci c'est un produit que je connais pas, c'est une crème pour le corps, je pense, c'est un gel douche pour le corps. Donc ça je suis trop contente, je pense que ça c'est un échantillon, je sais pas, mais c'est très bien, j'aime beaucoup, je vais tester avec plaisir. Ils m'ont envoyé un tout petit pinceau là, tout rose, avec un petit cœur comme ça. Regardez ça, c'est trop mignon. Donc, il y a la protection, c'est de la marque COC Brush. Alors, je ne sais pas, mais c'est très beau comme ça, en forme de cœur comme ça. Alors, je sais pas si ça sera très utile, mais peut-être pour le blush. Mais j'aime bien, c'est trop mignon. On a de la marque La Neige, un lip layering. Alors, je sais pas ce que c'est layering. Bon, en tout cas, c'est un baume à lèvres. Hein. Ouais, c'est ça. Waouh, le design. Regardez-moi ça, le design, quoi. Ça c'est La Neige, c'est trop beau, c'est gravé dedans et tout, La Neige. Donc il y a toujours des trucs qui scellent en fait sur les produits pour que vous sachiez que vraiment il n'a pas été touché. Ah non, c'est pas un baume à lèvres. Waouh, c'est trop beau. Une sorte de rouge à lèvres La Neige comme ça avec plusieurs étages à l'intérieur, il est trop beau. Voici la teinte ici et regardez comment il est. Là j'ai déjà swatché mais il est trop beau. Waouh, je trouve que ça claque. Ça claque grave. J'ai reçu des produits de la marque, un liner de la marque Merzi. Merzi, de toute façon, je vous mets les liens. Ça, c'est une teinte brownie, donc c'est un crayon. Ah non, c'est un liner marron. Je m'en rappelle pas avoir demandé ça, mais pourquoi pas. Ouh, c'est vraiment chocolat clair. C'est un petit liner, la pointe est top. Et c'est la marque Merzi.
Bah, je vous mettrai les liens parce que vraiment, sinon, je sais pas si je vais m'en rappeler hein, de toutes ces marques. Barbie MAC Pen Eyeliner. Donc, encore une fois, un liner noir cette fois-ci. Mais là, je pense que c'est un crayon pour les yeux. Vérification. Non. Un autre. Alors, ils m'ont envoyé du liner. Waouh! Celui-ci, il est noir. Ah, on dirait pas. Il est pas si intense que ça. Mais c'est un noir là, la pointe, j'adore, c'est des pointes un peu feutres comme ça, ils sont parfaits, ça c'est des pointes que je vais aimer. En revanche, par-dessus un make-up, est-ce que ça va bien tenir? Ça je peux pas vous dire encore, va falloir que je teste ça vite. J'ai reçu un produit de la marque I'm Mimi, comme ceci, et c'est le 001 All About Contouring, donc c'est une poudre de contouring en teinte plus claire. Ah ouais, elle est pas mal du tout, j'aime bien, 4 couleurs comme ça, vous faites votre mélange à votre... selon ce que vous avez. Si vous voulez un truc un peu plus foncé, vous insistez avec ce côté-là. Mais sinon, on mélange tout. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal la teinte. Donc c'est la plus claire 001. J'ai reçu un masque de chez Froudia. Et ça, je suis trop contente. Donc pareil, ça va compléter mes petits produits Froudia. Et je vais pouvoir tester. Et une palette. Et ça aussi, il y en avait une dans le calendrier de l'avant. Alors j'espère que c'est pas la même, mais je pense pas. Là, c'est une palette de teint. Donc comme vous pouvez constater, j'ai pris du teint. Hein, beaucoup de teint. C'est de la marque Roasting Coffee Palette Afternoon Tea Contour, et c'est toujours la marque I'm Mimi. Elle a l'air pas mal du tout, j'aime beaucoup. Ah ouais, en plus c'est des tons froids, moi j'aime bien les tons froids dans les contouring, donc ça me plaît bien. Et un dernier produit après les autres, je le garderai pour le mois de décembre, on va faire comme ça parce qu'il y en a beaucoup. Donc le Peripera, la marque Peripera, un Sunshine Cheek All You Already Shine, désolé hein. La teinte 03, et c'est un blush mais beaucoup plus soutenu, parce que la dernière fois j'en ai reçu un qui était vraiment beaucoup beaucoup trop clair, donc là il est beaucoup plus soutenu, un pêche très boom hein. Waouh, et bon, on va voir la pigmentation, mais il est très 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 beau là, ça va puncher là. Il y a une petite écriture dessus, je trouve ça trop sympa, donc j'ai du test à faire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'ailleurs des crash tests avec la marque Stylvana. À l'intérieur, là pour le mois de décembre, il m'avait envoyé aussi une palette, donc il y a encore d'autres choses en dessous, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. On va se retrouver donc pour le concours, le petit mot de passe. Je vous invite à me laisser le mot Beauty Wild. Comme ça, il y a le mot Beauty de Beauty Bay et Wild de la palette Wild West. C'est ça, c'est Wild West. Donc Beauty Wild. Si vous voulez participer pour gagner une des deux palettes, n'hésitez pas à me laisser ce commentaire, ce mot magique dans les commentaires. Vous arrivez toujours à me faire des commentaires trop sympas en casant le mot Beauty Wild. Donc en plus là, je suis désolée, je vous mets un peu d'anglais, mais ça va le faire quand même, je sais que vous allez réussir. N'oubliez pas de liker surtout cette vidéo et de vous abonner et de me retrouver sur Instagram, parce que oui, les concours, souvent je les fais que ici, et des fois je les fais ici et sur Instagram. Comme ça vous pouvez participer deux fois, et ça laisse aussi la chance pour celles qui sont que sur ma chaîne YouTube de participer. On se retrouve très très vite pour les résultats. J'ai hâte de faire plaisir à vous, à des abonnés. Ça me fait tellement plaisir de partager mes envois, hein. Ne croyez pas, je suis contente de recevoir des produits gratuitement, mais j'adore en garder pour vous et vous faire partager ça. D'ailleurs là, tout en bas, là, comme d'hab, j'ai mon tiroir à concours qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Et ça me fait trop plaisir. Et j'ai vu que mon concours Harry Potter vous avait énormément plu. Du coup, je vais en faire, je pense, prochainement encore. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut!